Bonsoir à tous, merci de me recevoir. Ce soir, dans mon émission « Quelle action ?», j'ai rencontré le vice-président de la Polynésie française, M. Nui Haoluri. Il me parlera du plan climat-énergie de la Polynésie française et de l'engagement du Fénois vers plus de résilience. Mais avant, je partirai à votre rencontre pour vous demander si vous avez déjà entendu parler du changement climatique et quelles en seront les conséquences pour nous. Je suis Hinarere Taputu. Quelle action commence maintenant? Je suis Hinarere Taputu. Rejoignez-moi dans mon émission Quelle action pour Fénois Action News. Bonsoir à tous. Avez-vous entendu parler du changement climatique? Certains affirment que c'est la fin, tandis que d'autres gardent encore espoir. Est-ce que nos îles vont disparaître bientôt? Allons-nous devoir quitter notre Fénois? Nous tenterons de répondre à toutes ces questions ce soir. Qu'est-ce que le changement climatique? Depuis le début du XXe siècle, la courbe des températures moyennes grimpe. Elles ont pour l'instant augmenté de 0,8 degrés Celsius. Ce qui change, c'est que les activités humaines émettent de plus en plus de gaz à effet de serre. De nombreux paramètres influent sur la quantité d'énergie que reçoit ou réémet la Terre, la distance entre la Terre et le Soleil, l'inclinaison de la planète sur son axe, ou encore les fameuses éruptions solaires dont on nous parle régulièrement en Polynésie. Eko Aina. Eko Aina. Nos activités humaines et alimentaires ont un impact direct sur notre environnement et donc sur notre planète. Changeons nos habitudes, favorisons les transports en commun, consommons local. Adoptons les bons gestes. Ito Maru, Ito Papu. Concrètement, quels sont les effets immédiats du changement climatique? On constate, photo à l'appui, une fonte globale des glaces au pôle Nord. On a constaté qu'entre 1901 et 2010, le niveau moyen des mers s'est élevé de 19 cm. C'est peu, vous me direz. Or, on estime actuellement qu'une fonte totale des glaces du Groenland entraînerait une montée de 6 mètres des océans. Imaginez la catastrophe pour nos îles si proches du niveau de la mer. Les scientifiques constatent également une augmentation globale de l'acidification des océans. En effet, les océans absorbent naturellement le gaz carbonique de l'atmosphère. Ce CO2 est ensuite transformé en acide. Tous les jours, les océans absorbent 22 millions de tonnes de CO2. Cela a des conséquences évidemment sur les animaux marins et en premier lieu le corail. Or, les coraux de nos lagons sont les premiers protecteurs de nos îles contre les vagues ainsi que notre garde-manger. Sans les coraux, notre vie au Fénois serait bien plus difficile, voire impossible. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous entendu parler du changement climatique? Je suis allée à votre rencontre dans la rue et voici vos réponses. J'aimerais savoir comment tu peux agir au quotidien pour protéger l'environnement. Alors, il y a des choses simples à faire. Tout d'abord, au quotidien à la maison, il suffit juste de recycler. C'est un geste facile. Il n'y a pas grand chose à faire, on utilise des produits bio, on consomme bio aussi, ça pourrait déjà aider les mamas du marché à vendre leurs petits trucs. La planète, c'est la terre où on vit, donc si on veut pouvoir protéger nos enfants plus tard, pour pouvoir leur offrir le même paysage qu'on a eu pour jouer, les beaux paysages de la Maroto, la nature verte, c'est vrai qu'il est important d'agir aujourd'hui, dès maintenant, et oui, pour moi, c'est une question importante parce qu'on est une génération qui peut agir maintenant et on est assez intelligent pour pouvoir agir responsablement. Pensez-vous que l'on puisse faire quelque chose ici, à Tahiti, contre le changement climatique et face aux grands pays, tels la Chine, les pays européens ou encore les États-Unis? Je pense que le plus important, c'est déjà de garder les traditions, d'éviter l'agriculture intensive. Votre pays est tellement beau que... Faut pas tomber dans le rendement à tout prix. Hein, je pense que si on respecte l'environnement en cultivant normalement, votre terre est riche ici. Hein. C'est vrai qu'en discutant avec des copains d'ici, ils me disent que finalement, avec un peu de terre, on peut vivre de sa terre, rien que ça, tellement c'est facile de cultiver. Donc ça serait dommage de tout polluer dans le but de gagner de l'argent et de tout perdre derrière pour ses enfants. Quoi.
Monsieur Inui Haolore, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sous l'égide de votre ministère, le service des énergies et en collaboration avec l'ADEME, rédige le plan climat-énergie. Donc, en quoi consiste ce plan climat-énergie et à quoi va-t-il servir? C'est un plan d'action défini sur les 5 prochaines années qui vise à prendre en compte les conséquences du réchauffement climatique qui se font déjà sentir. Donc, c'est un plan qui vise 2 objectifs essentiellement. Le premier est un objectif d'atténuation de nos émissions de gaz à effet de serre pour limiter les effets du réchauffement climatique. Et le deuxième objectif est un objectif d'adaptation de la Polynésie à ses conséquences, notamment en matière d'aménagement du territoire, en matière de transport et bien évidemment en matière d'énergie. Il est prévu de présenter ce document à la COP21 à la fin de l'année à Paris. Est-ce que cela va vraiment servir à quelque chose face aux intérêts des grands pays ? Alors, c'est une invitation du président de la République qui a souhaité que la Polynésie et d'autres collectivités présentent leur plan d'action lors de cette réunion qui est très importante. Donc, l'objectif, ça n'est pas de faire en sorte que les grands pays changent leur politique ou s'adaptent à nos propositions, mais c'est pour montrer que des petites collectivités éloignées ont aussi une capacité d'action. Et au travers de ce plan, nous allons essayer de présenter les actions essentielles que nous allons mettre en place sur les 5 prochaines années. Justement, vous êtes le vice-président du gouvernement de la Polynésie française et également le ministre du Budget, des Finances et des Énergies. En ces temps difficiles et du point de vue économique, les questions posées par le changement climatique ne viennent-elles pas compliquer davantage la situation de notre Fénois ? Elle est compliquée parce que ça coûte de l'argent, et pas beaucoup d'argent. C'est une évidence, mais en même temps, cette adaptation, on doit la mettre en œuvre. Et si je prends le cadre des énergies, nous devons changer de modèle énergétique. Ça veut dire passer d'un système centralisé qui marche essentiellement avec des groupes thermiques à un système décentralisé où des petits systèmes de production se mettront en place à base d'énergie renouvelable. Donc c'est vrai que ça coûte de l'argent, mais ça va nous permettre aussi dans un deuxième temps d'être plus autonomes sur le plan énergétique et d'être capable de produire notre propre électricité à partir de nos ressources naturelles. Et d'ailleurs, vous avez, si je ne me trompe pas, écrit un livre sur les énergies renouvelables. Pouvez-vous nous parler un peu de ce qui est mis en place ou de ce que vous avez voulu raconter à travers ce livre? Alors c'est vrai que j'avais écrit ce livre il y a quelques années, j'étais beaucoup plus jeune, mais le sujet est toujours d'actualité et nous allons proposer dès le mois de septembre un plan de transition énergétique avec des dispositions réglementaires à mettre en place sur les 5 et 10 prochaines années sur la production d'électricité, sur le transport et sur l'urbanisme. Lors du symposium scientifique organisé à Papeete à la fin du mois de juin, j'ai retenu un mot qui a été prononcé « opportunité ». Le changement climatique est certes une vraie menace pour notre Fénois, mais également l'opportunité de proposer des solutions concrètes pour un développement durable. Êtes-vous d'accord avec cette idée ? Oui, absolument. D'ailleurs, en chinois, le mot « crise » est constitué de deux mots, le mot « danger » et le mot « opportunité ». Et c'est vrai que dans ce contexte, changement de modèle énergétique, comme je le disais, on doit passer de système thermique centralisé à des systèmes beaucoup plus ouverts, ce peut être l'occasion pour des entreprises de se positionner dans ces secteurs émergents. Et beaucoup ne se sont pas trompés en se lançant effectivement dans les énergies renouvelables. Comme je l'ai indiqué, nous avons multiplié par 24 le niveau de production à partir du solaire. Et un certain nombre d'entreprises ont commencé à développer des activités dans ces secteurs. Et je pense que dans l'avenir, que cela soit dans le domaine des transports ou dans le domaine de l'urbanisme, beaucoup d'entreprises pourront se positionner dans ce nouveau modèle énergétique et économique. Monsieur le vice-président, merci d'avoir répondu à nos questions. Prochainement, dans quelle action ? J'ai rencontré le ministre de la Santé et de la Recherche, Monsieur Patrick Owen. Il me parlera du pacte signé le 16 juillet dernier à Taputapuatea et comment le Fénois tentera de se faire entendre auprès des grands pays participants à la COP21 à la fin de l'année à Paris.